Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo à la carte. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent et bonjour à tous. C'est l'hiver aujourd'hui, mardi 21 décembre. Le temps du jour, on a de la grisaille qui demeure sur la Val-de-Saône principalement. Sinon c'est le soleil, ça s'assèche progressivement, mais c'est frais, voire froid. Ce sont les Alpilles qui nous accueillent pour commencer cette émission. Oui, avec une recette de fête simple et colorée, une longe de veau accompagnée d'un mijoté de légumes provençaux. Fanny Ray est l'une des rares femmes étoilées en France et aujourd'hui, elle met tout son talent au service du goût et de la convivialité. Les détails avec Marjorie Lequet. Aujourd'hui, nous allons préparer un veau accompagné de blettes mijotées avec des petits légumes. Et on va se régaler. Et si vous optiez à Noël pour une recette originale, mais ultra simple, préparée par une chef étoilée? Un repas de Noël en famille, c'est la convivialité, c'est transmettre, bien sûr, à nos enfants le souvenir de ces moments gourmands, généreux, amusants. C'est surtout un bon moment passé à table. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Fanny Ray. Elle va faire danser vos papilles sur un air de fête. Et pour nous livrer tous les secrets de ce plat savoureux, elle nous reçoit dans son auberge à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Alpilles. Un cadre enchanteur, récompensé par 3500 heures d'ensoleillement chaque année. Pour les fêtes, notre chef du jour a choisi de mettre à l'honneur la blette. On va travailler uniquement sur le blanc de blette. Donc je vais les couper quand même assez petit pour que ça cuise un petit peu plus vite. Pour la cuisine, Fanny nourrit un amour inconditionnel depuis toute petite. J'étais très gourmande et j'avais cette curiosité aussi d'aller chercher dans les placards une épice, un parfum, une brindille de thym. Donc tout me fascinait, l'assemblage, la transformation. Moi, je trouve que c'est fascinant, c'est de la chimie, en fait. Très vite, je savais que c'était la cuisine et rien d'autre. Une fois les blettes lavées, je vais verser dans ma casserole un filet d'huile d'olive, un petit peu de beurre. Dès que mon beurre commence à mousser, je vais mettre mes blettes dedans. Légère coloration, on assaisonne, un tour de moulin, un petit peu de fleur de sel, une brindille de thym, une gousse d'ail, et maintenant, on court. Elle laisse mijoter le tout 25 minutes, et réalise pendant ce temps une brunoise de légumes composée de champignons, d'oignons blancs, de céleri rave et de carottes. Cette année, comme depuis 2 ans, c'est son mari, Jonathan Waïd, champion de France des desserts en 2005, et ses 2 enfants qui auront le privilège de déguster ces petits plats de Noël. Donc on a pris la décision de fermer pour passer Noël avec nos enfants. Et c'est vrai qu'avec ce confinement, on a compris que pour une fête de Noël, c'était très important de pouvoir le fêter en famille. Elle verse ses légumes dans une poêle nappée d'huile d'olive, ajoute du sel, du poivre, un peu de piment d'Espelette et un peu de ciboulette, juste avant de baisser le feu. Je vais mettre un petit peu de beurre fermier et on va laisser compoter avec un petit peu de fond de veau. C'est le moment pour notre chef de s'attaquer à la préparation de la pièce maîtresse de la recette, la longe de veau. Et pour dénicher une pièce d'exception, elle fait confiance à son ami Stéphane, boucher installé à Maussan-les-Alpilles. Bonjour, tu vas bien Fanny? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors tu as préparé la commande? Oui, regarde. Ça c'est une longe de veau élevée sous la mer, nourrie exclusivement avec du lait. Voilà, c'est pour ça sa couleur claire. L'avantage c'est qu'à la cuisson, il n'y aura pas de rendu d'eau. C'est une partie assez noble, c'est juste après les côtes de veau, c'est très bon et ça reste très tendre en cuisson courte ou en cuisson longue. Son métier, c'est une histoire de famille. Ses parents ont créé cette boucherie il y a déjà 40 ans. Je suis né quasiment dans le magasin, on va dire. Et pour lui, aujourd'hui, c'est une fierté de participer à sa manière aux fêtes de fin d'année de tous les gourmands, étoilés ou simples amateurs. Se retrouver à Noël, c'est important. Se retrouver en famille et de se faire plaisir par la table, je pense que c'est très, très important. Merci beaucoup. Bah, grâce à toi, on va se régaler. Je te souhaite un merveilleux Noël. Joyeux Noël. À toi et à ta famille. À bientôt. Bisous. De retour en cuisine, Fanny colore la longe de veau dans une poêle bien chaude. Une fois que nous avons une belle coloration uniforme, on va rajouter une brindille de thym, une gousse d'ail, juste taper. Et à ce moment-là, on va venir rajouter un petit peu de beurre pour former cette petite croûte imperméable autour du veau. Et on va venir l'arroser comme ça pendant
3 minutes. La cuisine, c'est un jeu. Je me lasse pas, jamais. Et puis c'est beau. Juste le fait d'arroser mon veau, je trouve ça beau déjà. Notre chef enfourne la viande 8 minutes à 180 degrés dans un four bien chaud avant de terminer la cuisson tout en douceur grâce à une astuce très ingénieuse. Alors là, je vais laisser le veau se reposer dans du film. Il va continuer à cuire sur l'intérieur, ce qui va permettre de conserver davantage un extra moelleux. Puis elle n'a plus qu'à réaliser un tartare d'huîtres. Les huîtres de Camargue, elles ont vraiment une particularité. On est sur un produit qui a un petit goût de noisette et qui va apporter de la dynamique au veau. Et là, je vais venir les hacher en tout petit. Fanny ajoute ciboulette, échalote, poivre, un zeste de citron vert et un filet d'huile d'olive. Et voilà mon petit tartare d'huîtres. Et maintenant, on a tout. On va procéder au dressage. Et voilà, c'est prêt. Il ne vous reste plus qu'à passer un excellent Noël en famille ou entre amis. C'est très joli et en plus c'est très bon. La viande est bien tendre, c'est bien fondant. Le mélange avec l'huître comme ça, ça ramène vraiment beaucoup de fraîcheur. C'est original, c'est vraiment... Les associations sont très bonnes. C'est superbe, Fanny. C'est beau, hein, Fanny Ray, qui fait donc partie des 33 femmes chefs étoilées en France. Donc... Entre plus de 600 hommes, je crois. Beaucoup trop. Allez les filles, bon, si ce mélange très audacieux avec l'huître vous a donné envie, grâce au talent de notre chef, direction notre site internet où vous attendent tous les détails de la recette. Rencontre maintenant avec l'une des figures incontournables du marché de Strasbourg, c'est Mireille, la reine du pain d'épices. Pain d'épicière, ça s'appelle comme ça, de mère en fille, Mireille parcourt le monde en quête d'ingrédients et pour faire découvrir ses recettes, elle a d'ailleurs partagé l'une d'entre elles avec Océane de Maison. Le secret du bonheur, eh bien, ce serait de croquer du pain d'épices tous les jours. Parce que là, on est en contact avec des choses harmonieuses, goûteuses. Peut-être que c'est ma définition de la vie, le chant des épices. En Alsace, à l'approche de Noël, une douce odeur d'épices et de miel plane dans les rues de Strasbourg. Bienvenue dans la maison du pain d'épices. On vous accueille avec joie. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une amoureuse du pain d'épices. Installée en plein cœur du mythique quartier de la Petite France, elle confectionne comme personne et chaque jour ce gâteau emblématique de Noël. Je suis Mireille Serre, la reine du pain d'épices, et j'ai parcouru le monde entier pour faire connaître mes pains d'épices alsaciens. Voici Mireille, elle est la gardienne d'un savoir-faire familial transmis de mère en fille depuis 1933. Nous sommes dans la boutique qui appartenait à ma maman et j'ai voulu continuer ce qu'elle avait mis en place contre son gré. Parce qu'elle m'avait dit « tu ne prends pas cette affaire, elle est trop petite ». Et c'était une façon de remercier ma maman. J'avais voulu faire quelque chose de beau, de le sublimer et de lui rendre l'amour qu'elle nous avait donné avec une forme de remerciement et de lui dire « voilà, tu vois, j'ai fait ça pour toi ». Et cet héritage, Mireille a à cœur de le développer. En véritable globe-trotteuse, elle voue une passion pour les épices, des trésors qu'elle déniche aux quatre coins du monde. Le pain d'épices m'évoque les voyages. Parce que cette épice, je l'ai achetée là, l'autre ici. Ça me rappelle des plats que j'ai goûtés dans les différents pays. Donc c'est beaucoup plus puissant que juste le fait de mastiquer et de goûter. C'est quelque chose qui chante. En allant au Mexique, j'ai goûté un café dont la tasse était frottée avec un piment et dont la mouture contenait de la cannelle. Et là, je me suis dit, c'est très intéressant parce que le piment se révèle avec l'action du liquide chaud. Et donc, j'ai imaginé un pain d'épices au piment d'Espelette qu'on sert avec le café. Et de ses voyages, Mireille a confectionné 44 recettes différentes de pain d'épices. Les aromates, elle les connaît sur le bout des doigts. Donc, on va commencer par le poivre de Madagascar qui a la propriété de tempérer la colère. Ensuite, on a l'anis vert. Ça a une vertu carminative. Carminative, ça veut dire qu'il fait chanter les intestins. Par exemple, c'est rigolo, mais c'est comme ça. Là, la cardamome verte, qui est la cousine du gingembre, est une épice qui va calmer la faim.
Un pain d'épices est salutaire. D'ailleurs, le terme allemand qui dit, pour désigner le pain d'épices, c'est Lebkuchen. Lebkuchen, c'est le gâteau de la vie. Donc, le gâteau de santé. Et donc, on mangeait le pain d'épices aussi pour ça. Et à Noël, en Alsace, ce sont des effluves qui bercent chaque famille. Mireille vous confie d'ailleurs ses petits secrets pour confectionner votre pain d'épices à la maison. Le pain d'épices, on va le faire avec trois choses essentielles. De la farine, des épices et un corps gras. Nous, on a opté pour la formule beurre parce que c'est quelque chose qui est délicat. On en met très très peu. On met 500 grammes pour 8 kg de pâte, c'est vraiment infinitésimal. Mais ça donne quand même un liant et un moelleux au pain d'épices. Avec gourmandise, elle rajoute des fruits confits. Ça sent bon. Les fruits confits, c'est vraiment Noël, parce qu'il est difficile de trouver des fruits frais quand il fait très froid. Et ça se garde plus longtemps. Toujours le sucre est un conservateur. Elle verse ensuite du jus d'orange pressé et évidemment beaucoup de miel. Au bout de 3 jours de repos, la pâte est disposée sur une plaque avant d'être enfournée. Je ne vous dirai pas combien de temps, c'est secret. Ça sent comme lorsque j'étais petite. La douceur du pain d'épices se marie avec des mets salés. Pour Noël, Mireille a réalisé des bouchées de pain d'épices au foie gras. Et pour changer des traditionnelles mouillettes de pain, elle tranche du pain d'épices aux amandes. La seule chose que craint le pain d'épices, c'est l'air. Donc, quand il est à l'air, il durcit, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas consommable. Et comme c'est un pain baromètre, quand on le remet à l'humidité, s'il a séché éventuellement, on le remet dans un endroit humide, il regonfle et il redevient moelleux. Et ça peut se garder très très longtemps. Les Romains voyageaient avec le pain d'épices et ils allaient envahir la Gaule et compagnie parce que c'était un pain, le panis mellitus, qui se conservait. Historiquement, pendant les croisades, le pain d'épices arrive en Europe grâce aux guerriers mongols qui en avaient fait leur ration de combat. En Alsace, avant de le déguster, on le cuisait pour assainir les maisons et purifier l'air. De nos jours, il incarne avant tout l'esprit de Noël. Pour finir, nous retrouvons d'ailleurs Mireille sur le mythique marché de Noël de Strasbourg. C'est une période qui est joyeuse déjà, et une ambiance de cœur et de joie et de lumière. Donc pour ça, ça vaut vraiment la peine d'être fêté. Et dans sa famille, ce marché est une institution. Dès 1933, ses grands-parents occupaient déjà ce stand. C'était un lieu incontournable de son enfance. Moi, j'allais à l'école là derrière. Et entre midi et deux, nous nous promenions et on passait devant le stand de mes grands-parents. J'étais contente de les voir. Et puis ça sentait bon le pain d'épices. Je les vois, je revois ma grand-mère, je revois mes grands-parents. Et puis voilà. Pardon. Mignonne Mireille. 13h12, après Mireille, on poursuit avec Mathieu et ses plus belles chansons de Noël. Mathieu, expert en la matière, nous plonge dans les chants de Noël d'hier et d'aujourd'hui, de Tino Rossi à Maria Carré. C'est parti pour un voyage dans le temps avec Fred Maurice. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. Il suffit de quelques notes, d'un tintement de cloche et d'une volée de grelots pour qu'une chanson de Noël vous plonge immédiatement dans l'ambiance. Le tube planétaire de Maria Carey fait partie de ces incontournables des fêtes de fin d'année. Les chiffres sont vertigineux. C'est la chanson de Noël la plus vendue de tous les temps. Depuis sa création en 1994, elle a généré plus de 60 millions de dollars de recettes. En France, nous maintenons aussi cette tradition. Christmas cheer, la magie de Noël. Au cinéma, la famille Tuche y apporte même sa contribution. Vive les frites, vive les frites d'hiver.
Mais au fait, quelles sont les origines des chansons de Noël? Nous avons posé la question à Mathieu Moulin. Il est le directeur artistique d'un label musical dédié aux archives de la chanson. Et des archives, nous y voilà. Il en a beaucoup. Vraiment beaucoup. J'ai amené des disques de Noël, j'ai fait mon grenier, ma cave, il y a tout. Les 78 tours, ça c'est les vieux disques, hein. Ça date des années 30, 40, 50. Que des chants de Noël. Tino Rossi, les compagnons de la chanson, Lucienne Delisle, Jacqueline François. Il nous a donné rendez-vous dans un lieu unique à Paris, le Phonomuséum, à deux pas du Moulin Rouge. Ah oui, j'ai apporté aussi les micro-sillons, 33 tours, 45 tours, les grands disques comme on avait à l'époque chez nos parents, chez nos grands-parents, disques de Noël plein de couleurs, plein de magie. Et puis bien sûr le Tino Rossi incontournable que je crois toutes les familles françaises ont eu un jour à la maison. Ici est rassemblé tout ce qui sert à écouter de la musique depuis qu'on sait l'enregistrer. Des phonographes au pavillon démesuré jusqu'aux électrophones des années 60. Ah, l'inventaire de Mathieu n'est toujours pas terminé. Les Poppies, Nicoletta, Petula Clark, les chants de Noël des provinces françaises, Georgette Plana. Je collectionne aussi les disques, les affiches, les partitions, tout ce qui concerne la chanson française. Et j'ai une grande tendresse pour les chants de Noël, c'est vrai, parce que ça me rappelle mon enfance. Les chants de Noël qu'on entend chaque fin d'année sont soit religieux, soit profanes, c'est-à-dire soit ils font vraiment partie de notre folklore, on appelle ça le répertoire traditionnel. On parle de nativité de l'enfant Jésus, puisque c'est très religieux, soit évidemment on parle de chansons profanes, alors là ça va être les chansons contemporaines qui sont vraiment nées entre 1900 et aujourd'hui et qui n'ont aucun lien avec la religion, qui sont tout simplement des chansons françaises de variété. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. On a quand même des chansons de Noël dans les années 30 qui font pleurer dans les chaumières. Et j'ai des exemples justement avec Berthe Silva, « Rends-moi mon papa, s'il te plaît, c'est Noël », parce que le papa y est parti à la guerre ou je ne sais où. Ici-bas, c'est la guerre, n'apporte pas de présents superflus, pas de jouets, je n'en saurais que faire. On a vraiment des histoires abracadabrantes. Ça se calme un peu après-guerre, effectivement. En France, je pense que c'est Petit Papa Noël qui est vraiment d'abord la plus grosse vente de disques de tous les temps. En chant de Noël, c'est celui-ci, qui a été relayé par le cinéma, puisque n'oublions pas, c'est dans Destin, le film de Richard Potier, que Tino Rossi crée cette chanson. On est en 1946, la scène finale du film est inoubliable. Et puis, cette chanson, on ne sait pas pourquoi, elle va plaire au public. Tout le monde se rue sur les partitions, les 78 tours, puisqu'à l'époque, en 1946, on en est encore à ça. Ça, c'est Petit Papa Noël en 1946. Pas simple d'écouter un 78 tours. Ah oui, il faut remonter avec la manivelle, oui. Mais dans ce musée dirigé par Jalal, il y a tout le matériel pour se replonger dans les Noëls d'antan. Si la France a une longue tradition des chansons de Noël, nous faisons pâle figure à côté d'un autre pays pour qui la saison de Noël est l'une des plus importantes de l'année. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh! Les États-Unis vouent un culte à cette tradition, et particulièrement ces trois jeunes femmes américaines qui organisent chaque hiver dans un théâtre parisien un tour de chant dédié au plus grand standard de la chanson de Noël, Made in USA. Je m'appelle Devin Bell. Et je suis Lauren Bell. Et moi, je suis Lexi Bell. Et nous sommes les Jingle Bells. Elles sont en pleine répétition. Pendant un mois, jusqu'au 25 décembre, la vie des Américains est rythmée par des célébrations au cours desquelles les chansons ont une place primordiale. Sur une échelle entre 1 et 10 aux États-Unis, c'est 20. Et en France, c'est plutôt un niveau 4-5. Le jour après Thanksgiving, on met toutes les décorations à l'intérieur, à l'extérieur de la maison. On commence à mettre que des chansons de Noël. Oh, wow! Mes parents, par exemple, à Seattle, ils réunissent entre 35 et 50 personnes. Et c'est un truc qu'on a fait de toute ma vie. Moi aussi. Et après, on sort et tu chantes dans les in the neighborhood, dans le quartier. On va chez les gens, on sonne et on chante devant...
Mais dans un pays qui compte 50 États et 9 fuseaux horaires, on ne fête pas Noël sous les mêmes climats. Pour Devin du Kentucky dans le centre-est, Lorraine de Seattle dans le nord-ouest et Lexi d'Alabama dans le sud-est, chaque fin d'année a une saveur différente. À Seattle, il pleut des fois, on a un Noël blanc. En Alabama, on n'a pas un Noël blanc. C'était souvent assez chaud, c'est assez tropique, donc du coup, j'ai passé des Noëls en short. Donc, pour moi, je rêve toujours qu'il neige parce que c'est quelque chose que je n'ai pas grandi avec. Nous tous, et chez moi, il neige en général une ou deux fois par an. L'occasion d'un petit clin d'œil au Noël hawaïen, tout en mouvement du bassin. On the night before this Christmas day, celebrating the jingle bell way. L'esprit de Noël souffle sur ce petit théâtre à deux pas de la place de la Nation à Paris. De quoi vous mettre des airs dans la tête, au moins jusqu'au réveillon du 31. Moi, ça m'a mis de très, très bonne humeur, ce sujet. Je sais, oui. Je sais. Allez, on part à Nice, à la belle, à Nice, ma ville d'adoption, pour prendre le large. Et faire une plongée dans les eaux fraîches pour dénicher un mets fin et prisé, c'est l'oursin. À Nice, Fabio les pêche et les sublime en cuisine pour nous offrir une évasion visuelle et gustative, mise en image par Virginie Tumortiki. J'ai deux passions dans la vie, c'est la cuisine et la mer. Ce que j'adore, c'est de pêcher le produit, de le cuisiner, de le manger le jour même. C'est vraiment, pour moi, la base du plaisir et de la cuisine. Voici Fabio, chef cuisinier d'origine italienne. Il nous entraîne à la découverte des trésors de l'hiver à Nice. Et celle qui lui offre tous ses plaisirs, c'est la Méditerranée. La sensation quand on est au large sur un bateau l'hiver, c'est la sensation de silence et de paix à perte de vue. Plongeur chevronné, il affectionne tout particulièrement la mer au mois de décembre. Le paysage est unique avec les sommets des Alpes enneigées et les températures sont toujours clémentes. Il fait 10 degrés sur l'eau et encore 16 degrés sous l'eau. Là, on va sur un site que je fréquente depuis un petit peu. On est à la limite entre Villefranche et Saint-Jean-Cap-Ferrat. On est au pied du phare. C'est une belle petite réserve où il y a quelques oursins et pas trop profonde. La pêche aux oursins, c'est un rendez-vous incontournable pour Fabio. Autorisée du 1er novembre au 15 avril, c'est une pêche sous-marine hivernale qu'il ne raterait pour rien au monde. Parce que c'est comme un enfant que vous appelez devant les manèges. Et forcément, même s'il fait froid, lui a envie d'y aller. Et moi, c'est pareil. C'est parti pour une pêche qui s'apparente d'ailleurs plutôt à une cueillette. Fabio recherche des oursins de plus de 5 cm de diamètre, les plus remplis, bien installés au creux des rochers à 6 mètres de profondeur. Il les cueille avec son couteau comme il le faisait enfant sur les côtes des Pouilles en Italie. Tous les quasiment dimanches, mercredi et samedi de l'été, on allait pêcher avec mes oncles le poulpe et l'oursin principalement. Fabio, bien passé? Ah, magnifique. Alors écoute, je pense qu'on est bon. Regarde. Bien, ouais, bien, bien. Bonne cinquantaine, on les a. Hein. Bien, parfait. On en mange deux, trois là. Si la pêche est un plaisir, l'oursinade sur le bateau l'est encore plus. Avec un petit verre, des copains et du soleil, c'est la recette du bonheur. On aime aller en bateau, on aime sortir, on aime prendre le temps avec les amis, tout parce que ça, c'est un confort. Que si tu n'habites pas sur une zone côtière, une zone maritime, ben personne, les gens ne peuvent pas savoir. À part l'été, peut-être quand tu vas louer ton truc, mais nous, on peut le faire toute l'année, quand on veut. Grâce à ces moments-là, on adore l'hiver. Je ne me lasse jamais de ça. L'oursin de Méditerranée, qu'on appelle aussi l'oursin violet, est apprécié pour ses qualités gustatives. On ne mange que les lamelles oranges, mais elles ont un goût iodé incomparable. Moi, je mange régulièrement des oursins. Celui de Galice est peut-être un petit peu plus charnu, et souvent plus charnu, mais le goût de l'oursin de Méditerranée, nettement plus fin. Voilà, pour moi, le vrai oursin, c'est l'oursin de Méditerranée. Après l'avoir dégusté cru, Fabio veut nous faire découvrir ce délice de Méditerranée cuisiné. Avant d'aller au restaurant, il fait un petit arrêt sur le port de Nice. On y trouve encore quelques pêcheurs traditionnels, bien cachés au milieu des yachts.
Pour les oursins, c'est pas pratique. Pas pratique pour les oursins. Oui, tu t'approches pas trop du rivage, quand même. C'est ça, c'est pas... c'est pas pratique. Avec l'annexe. Alors là, on va chez mon poissonnier préféré. On va chez Steve qui a tiré les filets. On va voir qu'est-ce qu'il a pêché pour notre recette. Steve est l'un des derniers pêcheurs niçois. Salut Steve, alors comment ça a été aujourd'hui? Ça a été, là tu viens un peu trop tard, il n'y a presque plus rien. Ah, c'est bien, ça tombe bien parce que j'avais pas besoin de grand-chose. Ah. Les oursins, c'est bon, je les ai faits. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme poisson que tu peux... Il reste plus que de la tonine. Tonine, bah, donne-moi-en une petite alors. La tonine fait partie de la famille du thon et du maquereau. Amoureux du poisson, Fabio en a fait sa spécialité. Et il met un point d'honneur à cuisiner du poisson de Méditerranée. Ça a un autre goût, ça a un autre goût. Ça n'a pas voyagé, c'est frais. Ça a été pêché le jour même. Il n'y a pas une meilleure raison que celle-là, pour la fraîcheur. En cuisine, le chef tranche immédiatement la tonine en carpaccio. Et pour l'assaisonner, il va utiliser une partie des oursins qu'il a pêchés ce matin. Il commence par tailler des échalotes, rajoute du sel, poivre, vinaigre de framboise et pour finir, des langues d'oursin. Il monte le tout à l'huile d'olive et recouvre son carpaccio de cette sauce onctueuse. La consommation de la cuisine, c'est simple. Ici, on le voit, les produits, on ne va pas essayer trop de le dénaturer. On peut le faire de temps en temps pour le fun, pour faire quelque chose de plus sympa. Mais moi, je préfère rester sur une cuisine simple, avec des produits presque du quotidien, je dirais. De toute façon, on trouve tout aujourd'hui au marché. Une cuisine simple mais raffinée. Fabio a fait ses classes auprès de grands chefs comme Alain Ducasse. Et après, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui cuisinaient d'une manière formidable pour moi. Et donc, du coup, ça m'a permis d'avancer et d'affiner certaines techniques de cuisson. Allez. Résultat, un plat de spaghettis aux oursins et un carpaccio à la vinaigrette d'oursin qui pourraient bien trouver leur place sur la carte du restaurant. On fait des tests, effectivement. Ça peut être fait comme des tests si, pour la prochaine carte. Nous, mais surtout, on se régale. On travaille. Surtout, on se régale. Exactement. Voilà. D'ailleurs, il a fini. Non, déjà. Regarde, moi, j'ai bien travaillé. J'ai déjà fini mon assiette. Il en voulait il y en encore avait trop peu. Trop peu pour moi. Mais bon, c'est pas grave. On va retourner en mer cet après-midi et on va reprendre les oursins. Moi, j'en rêve. Ça a l'air magnifique. Mm-hmm. Bon, ah oui, on reste dans le sud. Direction les Bouches-du-Rhône pour visiter un parc animalier d'un nouveau genre. Oui, à mi-chemin, entre refuge pour animaux abandonnés et maison de retraite, cette Arche de Noé accueille des tigres, des lions ou encore des lamas et des cochons d'Inde. Bref, des animaux habitués à vivre sous des climats très différents. La visite guidée, c'est tout de suite. Soyez les bienvenus à Traits. Nous sommes à 30 km de Marseille. Et voici un parc animalier pas comme les autres. 60 espèces d'animaux y vivent toute l'année sous la protection d'une femme hors du commun. Il fait gris, c'est horrible, on se croirait en Bretagne. Je dis ça parce que je suis bretonne, hein. Je ne suis pas contre les Bretons. Allez, il ne reste plus que les fauves et tout le monde a mangé, tout le monde a bien bu. Sandrine a quitté le climat de sa Bretagne natale il y a bien longtemps. Et c'est sous le soleil de la Provence qu'elle a choisi de créer un parc-refuge, une véritable maison de retraite pour des fauves. Oh bah oui, j'étais artiste de cirque pendant 27 ans. Et je me faisais un petit peu vieille. Mon dernier groupe, je l'ai ramené à la maison pour qu'il soit en retraite avec moi. Elle est très pipelette, hein. Viens, viens. Voilà. T'as autre chose à dire encore, Tania? Les fauves, ils sont là, on s'en occupe, avec respect. Tout doit être dans les règles, et dans son cœur, on doit savoir ce qu'on doit faire. Doucement, les filles, doucement, doucement. Chaque matin, dès que le soleil fait disparaître la rosée, Sandrine sort ses tigres et ses lions. Et cette ancienne dresseuse entretient avec eux un rapport plutôt privilégié. Ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. Allez, riant. Ah oui, il a plu, ils aiment pas ça. Hein. C'est un lion spécial. Parce qu'il adore manger avec maman à la main. Est-ce que tu vas faire le vilain lion? Oh, ça y est, il fait le vilain lion. En France, depuis 1975, il est interdit d'importer des animaux sauvages. Après 15 ans de captivité, vous allez mettre un animal en liberté. C'est pas chassé, il est vieux. Et il est mort dans la minute qui suit.
Donc ceux qui sont en liberté, il faut les protéger. Et ceux qui sont en captivité depuis des générations, on les protège également. Si Sandrine a pu réaliser son rêve d'ouvrir ce parc animalier, c'est grâce à Thomas, 27 ans, propriétaire des lieux. Lui n'est pas du tout issu du monde du cirque. Et avant de rencontrer Sandrine, les animaux sauvages, ça n'était pas sa spécialité. Ça, ce sont mes chevaux personnels. J'avais une écurie de dressage au départ. Et après, je souhaitais transformer le lieu en parc animalier refuge. Je pense que c'est quand même important d'avoir plusieurs types d'animaux. Donc c'est important qu'on ait des animaux de la ferme, que les enfants puissent approcher. On a beaucoup d'enfants handicapés qui viennent. Et quand on aime les animaux, on les aime tous, que ce soit le rat jusqu'au fauve. On porte autant d'intérêt à tous les animaux ici. Qu'est-ce qu'elle a, ma fifille ? Ouais, viens, ma belle. Allez, viens. Allez. La liste des animaux résidant ici est longue. Des paons, des lamas, des chevaux, des zébus et même des cochons. C'est la fourrière. Ils l'ont trouvée dans la rue, à Marseille, et ils l'ont placée ici. Comme l'autre chèvre, cette chèvre-là aussi. Le trois quarts des animaux ici, c'est des animaux qui ont été trouvés ou qui ont été abandonnés, qu'on a récupérés. C'est vraiment le but du parc. Parce qu'il y a tellement d'animaux malheureux, tout ça, que c'est bien de récupérer ces animaux-là avant tout. Ça te gratte, là. Pantoufle. C'est Sandrine qui a trouvé, non, c'est pas moi. Il faut dire que Sandrine a un certain talent pour trouver des prénoms à ses animaux. Tiens, Gertrude. Hector. Ça, c'est Aldo. Aldo Macchion. Il marche comme ça. Comme Aldo Macchion. Charles-Henri, reviens. Ça, c'est les cerfs à mamaler. C'est les poules et coqs les plus petites du monde. Le soir, ils sont rentrés. Ils sont fragiles. Et quand il pleut, on les rentre aussi. Ça va, Charles-Henri? Bien loin des fauves, notre retraité du cirque s'est prise de passion pour les animaux de la ferme en apprenant à s'occuper d'eux. Mais tu vas où, toi? Et parfois, c'est un peu compliqué. Mais elle m'aime pas. Elle m'attaque tout le temps. Et elle fait mal. Et elle le fait en traite. Parfois, c'est un grand bonheur. Oui, 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 oui. Comme oui, avec oui, ce bébé oui, cochon de 2 mois. Oui, yoppa. Allez, viens manger. Kawaii. Elle dort chez moi, parce qu'il fait froid maintenant. C'est l'hiver, hein. Donc on la met au chaud. Et ça fait ses besoins dans la litière comme un chat. Donc quand il fait beau, on la sort quelques heures, parce que ça a besoin, avec la truffe, de trifouiller un petit peu partout. En hiver, les animaux ont une alimentation plus riche pour pouvoir se protéger du froid. Ici, la plupart d'entre eux sont herbivores, nourris donc de graines et de fruits et légumes. Hey, coucou. Salut, Sandrine. Chaque jour, Sandrine va chercher les invendus de Jonathan. Il est primeur. C'est rien du tout. On pourrait la vendre un peu moins cher. Maintenant, les gens veulent du beau. Comme ça, au lieu de jeter, ben, nous, on s'en sert. Et ce sont encore des bons légumes. Si on devait les acheter, ça coûte très cher. Et nos animaux, on ne peut pas leur donner que des graines. Ils sont bien plus contents l'été. Parce qu'ils ont les pêches, les brugnons, les prunes. L'hiver, c'est plus compliqué parce qu'ils n'aiment pas le chou-fleur. C'est que tous les animaux, ils ont du mal à digérer le chou-fleur. D'un côté, nous, on leur partage notre savoir-vivre, notre savoir-faire au niveau des légumes, et ils nous partagent leur savoir-vivre au niveau des animaux. Donc c'est un échange aussi particulier et qu'on apprécie. Ces caisses vont être bien utiles à Sandrine, car de retour au parc, il faut nourrir les cochons d'Inde. On se dit, c'est tout petit, ça mange rien. Eh ben, que nenni, ça mange beaucoup. Non mais ce matin, ils ont eu encore des carottes, il n'y en a plus. Des graines, il n'y en a presque plus. C'est des gouffres. Ils sont arrivés, ils étaient tout petits. Ils sont énormes maintenant. On ne sait pas s'ils sont enceintes ou gros. L'avenir nous le dira. Tout ça, c'est des animaux qui ont été abandonnés par des gens. L'avenir promet de beaux jours à Sandrine. Ses premiers mois d'ouverture ont été un vrai succès. Déjà 3000 entrées et du coup, 3000 personnes sensibilisées à sa cause. Un animal, c'est du début à la fin. Donc si on n'est pas capable d'assumer, on ne prend pas. De se dire, voilà, quand vous prenez un petit lapin ou un cochon d'Inde pour votre fils, mais de prendre conscience, quoi. C'est un être vivant. Et on a le devoir, on a la responsabilité de s'en occuper. Et on peut tous se rejoindre pour une bonne cause, ralentir les dégâts, parce qu'il y aura toujours. Mais au moins, avec la nouvelle génération, d'expliquer aux enfants. Justement, ça peut être une idée de cadeau pour Noël, mais adopter plutôt que d'acheter un animal de compagnie. Tout à fait d'accord. Avant notre journal du temps, Météo La Carte vous propose un petit cours de langue française. Savez-vous d'où vient l'expression chaud lapin? Mais aussi, qu'est-ce que la cuniculture? Toutes les réponses sont à suivre dans notre reportage dédié au secret du traditionnel lapin à la moutarde, la recette parfaite pour les vacances.
Dans son restaurant de Privas, en Ardèche, le chef Philippe Labert nous joue une musique singulière. Une musique de saison, c'est celle de sa recette du jour. Hop. Aujourd'hui, je vais vous préparer le traditionnel lapin à la moutarde. 5 euros, c'est le prix que cette recette va vous coûter par personne. Économique, le lapin est aussi l'une des meilleures viandes pour notre santé. Mais avant de la cuisiner, le chef commence par sa garniture, des poireaux et des carottes qu'il découpe en brunoise. Alors la brunoise, c'est juste taillée en petits dés. Après, il y a plein de noms différents pour les taillages. La brunoise, la julienne, la matignon, la mirepoix. Et d'où viennent les noms? Il doit certainement y avoir une histoire. En tout cas, en ce qui concerne la brunoise du chef, elle porte le nom du cuisinier qui l'aurait inventée au cours du XVIIIe siècle. Donc on va mettre de l'huile dans la cocotte. On va attendre qu'elle soit très chaude, voire fumante. Ça aura pour effet de fixer la chlorophylle et de garder la couleur en fait. La manière dont vous coupez les légumes détermine leur cuisson. En petits dés, une brunoise par exemple cuit très vite. Une fois les légumes cuits, le chef les mouille à hauteur avec du bouillon de volaille. C'est une cuisson à court mouillement, on n'a pas dépassé la hauteur de légumes. Au bout de quelques minutes, le bouillon a disparu car les légumes l'ont absorbé. Grâce à cette cuisson, ils seront fondants. Il ne restera plus que la préparation du lapin, une viande que l'on trouve en toute saison. La qualité de la viande vient surtout de la qualité de l'élevage et de l'éleveur. Là, en l'occurrence, le lapin, la manière dont il a été élevé chez Christine, je pense que sa vie a été sympathique, même s'il a fini dans une casserole. C'est sûr qu'ils vont finir dans l'assiette, on va les amener à l'abattoir. Mais moi, au départ, si je fais ça, c'est vraiment parce que j'aime ces bêtes. Je veux qu'ils soient bien traités, bien nourris, bien logés. Je fais vraiment tout pour qu'ils soient heureux. C'est passionnant comme bête. Christine élève ses lapins en extérieur. Il préfère le froid à la chaleur. Allez, tu re-rentres ? Voilà. L'élevage de lapins, ça s'appelle la cuniculture. Cuniculture, on se demande bien quel est le rapport avec les lapins. Petite leçon d'histoire, avant le XVIe siècle, le lapin se disait conil, du latin cuniculus signifiant le trou ou le terrier. Le côté très reproductif des lapins a donné naissance à pas mal d'expressions. Des expressions, mais aussi des superstitions. Bah, une patte de lapin, les gens pensent qu'en gardant ça avec eux, bah, ça les rendra un peu plus féconds. Voilà. Alors les beaux gosses, je suis toujours en train de les appeler les beaux gosses. Les lapines, je les félicite toujours quand elles font des jolis petits, parce que je pense que, bah, mine de rien, elles le sentent quand on est content. Allez mon petit gars, c'est un vrai chaud lapin. Voilà. T'as senti que j'allais t'amener une copine. Et c'est comme ça toute l'année, sauf les jours de grosse chaleur. En direct. Voilà, j'ai pas menti. Chaud lapin. Il est à fond, hein. Mais c'est rapide, hein. On comprend mieux l'expression chaud lapin. Chaque année, 700 lapins naissent sur l'exploitation de Christine. Ils ne seront commercialisés qu'après 5 mois d'élevage. Je le vends 13,50 euros le kilo. Donc on arrive à fournir de la viande quand même de qualité. Et à des prix corrects. Avec un lapin comme celui-là, on peut manger à 6. De retour en cuisine, le chef commence par la découpe du lapin. Bah, il est préférable de le faire par son boucher parce que si on veut avoir le moins de pertes possible, eux, c'est leur métier et généralement, ça les embête pas. Et là, on va tout marquer à l'huile d'olive fumante. Peu calorique, riche en protéines et en vitamine B3, B6, B12, B5, le lapin est un bon allié anti-cholestérol. Une fois la viande bien saisie, le chef fait revenir sa garniture aromatique, oignons, carottes, ail et romarin dans la même cocotte. Donc il est important et presque impératif de garder la même cocotte, comme ça on récupère tous les sucs de cuisson du lapin quand on l'a marqué tout à l'heure. Philippe remet maintenant son lapin dans la cocotte. Il en mouille quasiment à hauteur. Là, on va laisser cuire 20 minutes. Après 20 minutes, Philippe peut ajouter la moutarde. Il a opté pour deux variétés. Donc on a la moutarde à l'ancienne et la moutarde fine, artisanale, donc classique. Et là, on va laisser mijoter à peu près un quart d'heure à demi couvert. Il ne reste plus qu'à adoucir cette sauce avec de la crème.
Ça va avoir pour effet que la sauce soit onctueuse et de la lier en fait un tout petit peu. On laisse mijoter quelques minutes et c'est prêt. À 13h39, il est l'heure de découvrir le temps des 9 prochains jours. C'est tout de suite dans notre journal du temps avec Laurent. Laurent, est-ce qu'on peut espérer garder ces beaux rayons de soleil, cette fraîcheur ? Bon, vous aurez la réponse, à voir si ça va être durable. C'est vrai que c'est de plus en plus sec. Alors la nuit a été particulièrement claire sur une grande partie de la France. Résultat, ça a fait chuter le mercure. On avait annoncé des températures en baisse ici même hier. Ça s'est confirmé ce matin. La valeur la plus basse, c'était, fidèle à sa réputation, à Mout dans le Doubs, avec moins 19,4 ce matin. On était à moins 15 degrés à Pontarlier. Température basse également en Avignon, moins 5,3 dans la capitale des Papes. Et puis sur le midi méditerranéen, valeur basse aussi. Marseille, Aix-en-Provence, moins 3,2 ce matin au réveil. Et un 0 degré à signaler sur le littoral à Quimper, en Bretagne. Ce froid signe la première journée d'hiver. Et l'image satellite nous montre bien le soleil qui l'emporte sur bon nombre de régions. Ça s'assèche considérablement, même si ce matin les nuages bas étaient assez nombreux. Ce que vous distinguez sur l'ouest également, c'est cette perturbation et ce voile nuageux qui commence à occuper le ciel sur les régions de l'ouest. Ailleurs, bien dans l'ensemble, le soleil devrait l'emporter sur bon nombre de régions, avec un temps sec pour cet après-midi, la confirmation avec la prévision de Météo France. Certes, les brumes vont se maintenir, encore pas mal de nuages bas sur une bonne partie de la Bourgogne, le Val-de-Saône, jusqu'à la vallée du Rhône. L'apport d'humidité également sur le midi méditerranéen, notamment sur le Var ou encore les Alpes-Maritimes et la Corse, avec un ciel assez chargé et quelques ondées cet après-midi. Et puis sur les régions de l'Ouest, déjà les prémices de la perturbation, avec le voile de Cirrus qui s'installe du Finistère jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Partout ailleurs, du plein soleil. Qu'est-ce que ça va donner côté température pour cet après-midi? Regardez les valeurs qui sont annoncées, avec des températures qui, au meilleur de la journée, ne vont pas décoller. Vous le voyez sous la grisaille, par exemple, à Dijon, 0 thermomètre, pas plus d'un degré sur le massif du Jura, 2 degrés sur la plaine d'Alsace, 4 péniblement sur la région parisienne, ou encore le Calvados, la Seine-Maritime, mais aussi sur la Sarthe, et jusqu'à 7 degrés sur la façade atlantique. En revanche, température nettement plus douce sur la côte basque, avec 17 degrés cet après-midi à Bayonne. Très net contraste entre le bassin d'Arcachon et le Pays basque, vous le voyez, pour cet après-midi. Autour de la Méditerranée, 10 à 13 degrés, jusqu'à 14 pour Ajaccio. Quel temps pour demain matin? La couleur du ciel tout d'abord. Au réveil, brume, brouillard et surtout des chaussées parfois glissantes avec des brouillards givrants. Ce sera le cas sur le Grand Est, mais aussi sur le Centre-Est, vous le voyez, pour une bonne partie du Massif central ou encore de la Bourgogne, avec parfois là des chaussées glissantes. Sur l'Ouest aussi, en allant vers l'océan, bien localement, les brouillards pourraient donner parfois quelques plaques de verglas. Et puis autour de la Méditerranée, toujours cet apport d'humidité, vous le voyez, mais sans précipitation en début de journée. Évolution pour demain après-midi, un mercredi après-midi, qui sera placé généralement sous le signe du soleil sur la plupart des régions des Pyrénées jusqu'au sud-est du bassin parisien et au massif des Alpes. Toujours les brumes tenaces, vous le voyez, pour la vallée de la Saône et la Bourgogne en général. Et puis le voile nuageux qui précède l'arrivée de la perturbation, lui, devrait s'installer sur les régions de la moitié ouest, mais également une petite moitié nord. Le front entre péniblement, vous le voyez, que les vents vont souffler de secteur sud-sud-est, ce qui explique la lenteur de la progression de cette perturbation. Autour de la Méditerranée, toujours beaucoup d'humidité avec un plafond bas, vous le voyez, des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Beaucoup de nuages aussi sur la Corse. Les températures pour demain matin, regardez ce qui est prévu, avec des valeurs qui vont une nouvelle fois fléchir. Moins 6 degrés annoncés pour la Champagne ou encore le sud de l'Alsace, mais également l'Auvergne. Les moins 5 degrés pour l'Orléanais ou encore le Berry. Température faiblement positive du côté de Brest et puis toujours la douceur réservée à la côte basque ou encore la Haute-Corse. Et puis dans le courant de l'après-midi de demain, au programme des températures, vous le voyez, stables avec des gelées qui vont perdurer sur le marché de Noël à Strasbourg. Moins 1 au thermomètre, 2 degrés à Mâcon, 4 pour la région parisienne, toujours 5 degrés à Rennes et toujours des valeurs très contrastées et nettement plus douces. Vous le voyez, grande douceur sur le piémont pyrénéen avec les vents de sud, un effet de fun qui va se produire. Résultat, 19 degrés attendus à Pau ou encore du côté de Tarbes, 14 à Toulon. À la suite de la semaine, les journées de jeudi et de vendredi, avec pour ces 23 et 24 décembre l'arrivée et l'entrée de la perturbation sur les régions de l'ouest. Ciel couvert, plus faible, beaucoup d'humidité sur le Grand Est, sinon ailleurs les éclaircies seront bien présentes. Les nuages seront un peu plus menaçants autour du golfe du Lion. Températures qui remonteront 10 en moyenne au nord, 12 au sud, 10-14 degrés pour les préparatifs du réveillon. Vous le voyez, avec une météo pluvieuse sur les régions bordant le bassin méditerranéen, de la pluie également sur le nord-est, pas mal d'humidité en général. Les plus belles éclaircies des rives de la Loire jusqu'à celles de la Garonne. L'évolution pour votre week-end, la journée de Noël tout d'abord, journée de samedi,
Vous le voyez, avec les éclaircies présentes sur les régions de l'ouest, sauf sur la Bretagne, avec cette nouvelle perturbation qui entrera. Ailleurs, ce sera un ciel très chargé, avec de la pluie, des pluies continues, des chutes de neige de retour sur le sud du massif des Alpes surtout, et puis des précipitations qui risquent d'être soutenues sur la Corse. Côté thermomètre, 11 au nord, 14 au sud, la journée de dimanche, 10-13 degrés, ciel gris, météo pluvieuse et neigeuse en montagne sur le flanc est du territoire, dégradé nuageux avec les plus belles éclaircies près de l'océan ou encore sur une partie du littoral méditerranéen. Le début de semaine prochaine, avec le temps pour la journée de lundi, avec un ciel couvert sur l'ensemble du territoire, nous serons tous logés à la même enseigne avec un ciel couvert et donc ici plus faible. La neige en montagne, principalement sur les Alpes, les températures 9-13 degrés la journée de mardi, le front s'évacuera en donnant toujours des précipitations sous forme de pluie ou sous forme de neige dès qu'on prendra un peu d'altitude. Et puis ailleurs, c'est un ciel de traîne avec des ondées très ponctuelles, plutôt rares, mais en tout cas une météo très encombrée. Les plus belles éclaircies, elles là, sont attendues sur une bonne partie du pourtour méditerranéen avec un peu de vent. Allez, on termine avec les prévisions à 8 et 9 jours. Ce qui nous emmène pour la semaine prochaine, mercredi et jeudi, vous le voyez, avec un ciel qui sera très chargé sur une grande partie du territoire. Ciel de traîne avec des ondées qui vont se produire, ce sont des pluies ponctuelles. Et puis léger boulet de neige prévu principalement sur les Alpes, mais aussi sur la barrière pyrénéenne. Les éclaircies grâce au vent sur le pourtour méditerranéen conservera la même configuration pour la journée de jeudi. Même si sur la moitié sud, là, ça devrait être un peu plus lumineux, un peu moins menaçant, avec quelques belles éclaircies. Les averses, elles, au nord, 8-11 degrés côté thermomètre. Aujourd'hui, mardi 21 décembre, on vous le répète, c'est l'hiver aujourd'hui. Tout à l'heure, 15h59, hein, temps universel. Et puis nous fêtons les Adriens. Allez, on vous attend en direct demain, même endroit, même heure. Très bonne journée à tous sur France 3. À demain.